Bonjour à tous. Alors, une sœur a besoin de vos avis. C'est une femme de 51 ans qui est mariée à un monsieur qui a 69 ans. Ça fait 17 ans qu'ils sont mariés et ils ont un enfant de 15 ans. La dame dit que depuis qu'elle est avec son mari, elle n'a jamais travaillé. Son mari n'a jamais voulu qu'elle travaille. Aujourd'hui, elle est prise au piège parce que elle s'ennuie, un, et de deux, son mari, en ce moment, il est en train de faire des choses qui la rendent malheureuse. Il discute avec d'autres femmes, il envoie même de l'argent. Le pire, c'est qu'il parle avec des femmes de la vingtaine, en fait. Elle a découvert ça il n'y a pas longtemps et elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de cette relation où elle se sent coincée, où elle se sent malheureuse. Mais d'un autre côté, elle a peur parce qu'elle ne sait pas si en partant, les choses vont bien se passer pour elle. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la sœur? Elle me suit, hein, donc elle va lire les commentaires. N'acceptez jamais qu'un homme vous dise de ne pas aller travailler. Quel que soit l'argent que ton mari a, n'oublie jamais que la paix intérieure, là, l'argent n'achète pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui font ces erreurs-là, surtout nous les Africaines. Quand le monsieur a beaucoup d'argent, quand le monsieur c'est un Européen là, on a tendance à penser que tout va se passer bien. Non, hein, les filles, quand on nous demande d'aller travailler là, c'est aussi pour notre paix intérieure. Parce qu'une femme qui travaille, elle est épanouie, elle est indépendante. Tu vois d'autres choses et tu prends les choses différemment. Ne restez pas à la maison juste parce que ton mari te demande de ne pas aller travailler. Ton mari, ce n'est pas ton Dieu, hein, ma chérie. En tout cas, bon courage et j'espère que les gens te donneront les réponses que tu veux.